magicien qui avait 52 cartes fit un effet avec une carte, puis deux avec deux cartes, tant et si bien qu'avec cet effet, il put bâtir des milliers de tours et construire une carrière entière. Un si grand nombre de tours a pu jaillir d'un si petit jeu. Il y a un tour qui s'appelle la carte extraordinaire. Est-ce que tu connais un de mes tours qui s'appelle comme ça ? C'est un tour assez complexe, que j'ai vendu pas mal. Mm-hmm. Mais justement, Alexandra est venue me voir il y a pas si longtemps, d'ailleurs c'est cette année, je dirais février ou mars. Et elle me dit, alors tu vois, il nous en reste quand même pas mal. C'est un tour qui a bien marché, c'est un très bon truc. Elle aime bien, moi j'adore. Mm-hmm. Mais elle me dit, les gens, ils achètent pas trop, parce que c'est quand même compliqué. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais pas, avec ça, faire un truc plus simple ? Ah oui. Tu vois, c'est une autre démarche. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ah bah bien, c'est pas évident, parce que vraiment, ce truc-là, j'ai réfléchi. Hein. Mm-hmm. J'ai réfléchi et je lui ai pondu un truc. Et je suis assez content parce que vraiment j'ai les mêmes cartes. Mmh. Et là, il n'y a quasiment plus aucune technique. C'est un truc qui sert avec des cartes un peu spéciales, c'est pour ça que je les ai mises à part. Mmh. Hein. J'ai, tu vois, quelques 9 de cœur. Mmh. Et c'est marrant parce que toi, j'ai une carte qui est une carte retournée. Mmh. Donc j'ai 4 9 de cœur et j'ai aussi 2 cartes, tu vois, mais qui sont. Et c'est bizarre parce que. Si tu frottes, tu vois, sur une noire comme ça, elle devient noire. Et si tu frottes sur un œuf, ça devient un œuf. Mais si tu frottes sur une rouge, ça devient une rouge. Et si tu frottes sur un 10, ça devient un 10. Et ce qui est compliqué, tu vois, c'est qu'après avoir vu ça, tu te dis, mais alors, finalement, c'est des 10, c'est des 9, ou c'est des... Tu vois ? Et en fait, non. Ce sont 4 as. Oui, effectivement. C'est balèze. Ah, oui, oui. Et il n'y a rien. Ah, oui. Fantastique. Ouais. Ah, oui. J'ai pas montré les rois encore. Enfin, vous en avez vu un, quoi, c'est tout. Hein. Je vous les montre. En fait, j'ai 1, 2, 3 et 4 rois. D'accord ? Le principe est fort simple. On met les rois sur la table. Là. Et maintenant, on va faire choisir une carte complètement librement. C'est-à-dire, vous allez me dire stop, tiens, monsieur. Vous allez me dire stop, halt, et quand je vais faire comme ça, d'accord ? Et quand vous m'aurez dit stop, mettons, vous pourrez prendre ou celle du dessous ou celle du dessus. D'accord. Choix optimum, quoi. Vous êtes prêts ? Allons-y. Oui, très bon. Stop. Allez, m'a dit stop de tantôt, alors après, c'est un chenille. Vous comprenez, je coupe ? Non, vous ne comprenez pas, je coupe. On dit stop, hein ? Oui. Stop. Là ? Vous voulez celle-là ou celle-là ? Celle du bas. Celle du bas, là. Voilà. Vous la prenez ? Merci. Vous la montrez à tout le monde déjà, et puis à la caméra et tout. Formidable. Pas à moi, hein, surtout. Vous me la redonnez ? Je la remonte encore un petit coup. Et bien ce que je fais maintenant, c'est assez exceptionnel, surtout chez moi. Hein. Je mets la carte sur le paquet et je la perds vraiment dans le milieu. Moi-même, j'en suis étonné. Car vraiment, je l'ai perdu dans le milieu. Je vais vous poser une question. C'est vous qui avez choisi la carte. Oui. Une seule question. Vous me dites si vous préférez les rois noirs ou les rois rouges. Les rouges. Les rouges. Oui. Regardez bien ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4, 3. On fait juste ça. Tic, tic, poup, poup. 10 pirates de Foros. Amusant, non ? C'est de l'anglais, ça veut dire pour eux. Enfin, non, pour nous. Enfin bon, c'est pas grave. Donc il n'y a plus que les rouges, là. Oui. Évidemment, on pourrait se dire, on pourrait se dire, les noirs sont là. Eh bien non. C'est là où ça commence à énerver parce qu'on pourrait croire et en fait non. Alors on pourrait se dire, mais alors, où sont donc les rois noirs? Où sont-ils? Ils sont là. Je les saisis, je les retourne, vu la torsion du poignet, et j'intègre. Vous avez vu la supercherie ? Non. Parce qu'en fait, c'est vrai ce que je vous dis, regardez. Hop ! Ah, il y a une erreur. Il y a une erreur parce que, à moins, ça ne soit pas une erreur. On va vérifier tout de suite la chose. Vous vous rappelez de votre carte, monsieur ? Oui. Formidable, on peut l'applaudir.